Skills. Rest in peace. Bah moi c'est Félix, je suis le guitariste de The Earl Grey depuis le début, depuis 2009 où le groupe a commencé, enfin le groupe qui était à l'époque le projet solo d'Alex. Et là bah on est en plein milieu de l'enregistrement du deuxième album et on est toujours avec le même enthousiasme et les mêmes habitudes de potes qu'on a depuis maintenant 5 ans, entre la détente, les concerts, les bars. Et je suis pour l'instant très content de l'expérience qu'on est en train de vivre, parce que bah on est devenu un groupe au début de l'année 2014, et ce qui se passe en ce moment, c'est un peu tout ce qu'on a, je pense, toujours voulu, avancer ensemble et puis avec des gens qu'on apprécie. Et c'est exactement ce qu'est ce deuxième album qu'on enregistre avec Bertrand et Eric de Chung, des mecs qu'on connaît depuis des années aussi. Et je vais parler en mon nom pour en tout cas les enregistrements guitare. Tout s'est passé aux petits oignons, comme on dit à la française. Moi c'est Mike, bassiste des Earl Grey. Donc comme Félix, je suis là depuis le début du projet. J'ai fait une petite période à la guitare aussi, mais maintenant je suis de retour à la basse. Bah ça s'est plutôt bien passé, on a fait ça en une grosse journée, on va dire, histoire de faire les choses proprement. Et c'était la première fois que j'enregistrais avec Eric en fait, et c'était vraiment sympa parce qu'on a fait ça vraiment tranquillement, prenant notre temps, sans stress, sans pression quoi. On était dans une ambiance toute cosy chez Eric et Bertrand et en tout cas pour moi j'ai eu on va dire quasiment 4 jours pour rentrer les 12 chansons. C'est ce qui est tout à fait raisonnable et on a pu faire ça dans des très bonnes conditions, sans se prendre la tête, voilà, c'était hyper relax et on était tous les deux avec Eric, de temps en temps les autres passaient dans la pièce, nous donnaient un petit peu leurs impressions, leurs conseils, etc. On descendait une petite bière et puis on s'y remettait, c'était à la cool quoi.